Allez, salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour Starship Troopers Continuum sur Quest. On est sur une version Quest 3, le jeu développé par Xer Games, qui est pas rassurant puisque ce sont les auteurs entre autres de Hitman sur Quest, et un jeu édité par Sony, qui sortira donc sur PlayStation VR 2 le 25 novembre. Avant d'aller plus loin, je vous signale qu'il y a un lien qui vous permet de bénéficier de 10% sur le jeu. C'est un lien affilié évidemment, comme je vous en ai déjà parlé dans la catégorie communauté de la chaîne. Donc si vous cliquez dessus, je vous remercie infiniment. J'ai fait le tutoriel, la mission va débuter. Alors clairement, c'est pas sur sa technique qu'on va juger ce Starship Trooper, dans le sens où le jeu a l'air quand même extrêmement pauvre graphiquement, mais bien évidemment sur son gameplay. De ce que j'ai pu voir déjà de mon côté, principalement au niveau du gameplay, on a une méthode de rechargement semi-automatique et manuelle. Alors, semi-automatique, vous avez en fait votre arme, vous allez appuyer sur le bouton A pour éjecter le chargeur, mettre votre pistolet ou votre arme près de votre pied, en tout cas près de votre genou, appuyer sur A pour recharger votre arme, et vous allez pouvoir tirer comme ça sur vos ennemis, les arachnides. Et vous avez aussi une méthode de recharge manuelle qui, elle, au contraire, vous enlevez le chargeur, vous prenez un autre chargeur, vous le mettez, vous rechargez votre arme. Par contre, si vous faites cette méthode manuelle, vous allez bénéficier en fait d'un bonus de dégâts. Et ça, c'est plutôt intéressant du coup, parce que le jeu va vous récompenser en fait en fonction de la prise de risque que vous allez tout simplement prendre au cours de votre aventure. On incarne un avatar dans le jeu en fait, hein, c'est-à-dire qu'on notre troupe peut mourir, et en fait le but c'est de ne pas mourir pour pouvoir évoluer notre personnage. On est sur la planète Janus, et on va tout simplement eh bien, aller défoncer de l'arachnide ou se faire défoncer par les arachnides, c'est au choix. Comme vous voyez le titre qui est sous-titré en français, mais pas doublé. C'est un jeu qui est tout de même assez violent, hein. C'est parti. Donc cette fois, on voit que j'ai 390 cartouches, 4 grenades. J'ai une arme qui se situe derrière. Et je vais pouvoir progresser comme ça. Alors effectivement, c'est ce que je disais. Techniquement, c'est pas fou. Visuellement, par contre, c'est la direction artistique très cartoon, pardon, qui va honnêtement de pair avec le côté second degré proposé par le jeu. Voici les premiers arachnides. Alors de ce que j'ai cru comprendre, pardon, il y a plusieurs types d'arachnides, des plus gros et des plus petits. Alors voilà, là j'ai perdu du coup mon chargeur, je descends mon arme, je récupère un autre chargeur et je m'occupe de canarder cette bonne vieille merde. Et on peut recharger de manière manuelle. Donc là je vide mon chargeur, je prends un chargeur, je recharge et je vais avoir en fait plus de puissance de feu sur mes prochaines attaques. Bon là, il n'y a personne forcément en face de moi, c'est pas très utile, mais c'est ce qui va me permettre tout simplement eh bien, de faire plus de dégâts. Alors le jeu est plutôt propre par contre techniquement, puisqu'on a quand même très très peu d'aliasing. C'est assez propre. Bizarrement, les arachnides ne m'effraient pas plus que ça dans le jeu. On a un camp de base qui est là. Ça me rappelle un tout petit peu. Ça me rappelle un tout petit peu, comment il s'appelle, Farpoint sur PlayStation VR. C'est beaucoup moins beau que Farpoint, hein, bien évidemment, mais. Oui, il est parti. Donc c'est un jeu qui est bien évidemment jouable en coopération et en ligne. Par ailleurs, quand vous lancez le jeu, il vous propose. C'est plutôt impressionnant de près, hein. Alors je peux aussi lancer évidemment des grenades. Hein. Comme vous voyez, il n'y a pas d'assistance réelle à la visée, il faut vraiment viser vos adversaires. Zut, j'ai mal lancé ma grenade, je ne suis pas très doué pour le coup. Voilà, du coup, comme j'ai rechargé manuellement, j'ai eu un bonus de dégâts, ce qui fait que j'ai pu pouvoir, c'est absolument pas français, j'ai pu avoir, pardon, plus de dégâts sur l'arachnide en fonction donc des attaques que je lui ai attribuées à l'aide de mon. Ça marche, il y a des bugs en approche. Ils sont quand même assez impressionnants quand on les voit arriver de près. On ne se rend pas compte de leur taille dans le film. On voit qu'ils sont effectivement grands. Mais honnêtement, quand on les voit comme ça débarquer sur nous, c'est assez flippant. En tout cas, le jeu est vraiment carré au niveau de son gameplay. Hein. Là, ici, on a une grosse mitrailleuse. Alors Starship Troopers, c'est un de mes films préférés. Oh là là, quand il nous saute dessus.
Ça rigole pas des masses, hein. Ils sont pas très très vifs, hein, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je me serais fait carboniser là. On va récupérer ici cette arme. Et on va s'occuper en fait des arachnides face à moi. Ah zut, je suis en surchauffe. Je suis en surchauffe. Est-ce qu'on va rencontrer le fameux cerveau que l'on a aperçu à la fin du premier film? Alors par contre, si c'est un film que vous n'avez jamais vu, Starship Trooper, foncez parce que c'est une vraie, vraie dinguerie. Le film est absolument génial. Il est passé il n'y a pas longtemps en plus à la télé, du coup, je suis retombé dessus, j'étais content. Les arachnides. D'ailleurs, c'est un univers qui est extrêmement repris, avec une très très grosse inspiration dans le fameux Helldiver 2 sur PlayStation 5 et PC, qui reprend beaucoup beaucoup de Starship Trooper, hein, que ce soit dans son introduction, dans sa direction artistique, dans le côté un peu second degré humour qu'on peut retrouver dans le film de Paul Verhoeven. Je sais pas si je dois rester là, en fait, j'ai pas lu les sous-titres qu'on m'a proposés. Y a quelqu'un derrière moi? Non. J'ai cru entendre un son, mais ils arrivent. Voilà une chasse aux insectes comme je les aime. Donc là, on a fait le ménage, a priori. Que toutes les recrues se rassemblent sur les sites de manœuvre dans 5 minutes, ceux qui tiennent encore debout, en tout cas. On est vraiment de la chair à saucisse. Hein. Starship Trooper, Continuum. Ah bah voilà, donc là c'est fini. On a donc l'écran titre. On était sur la phase prologue du jeu, donc je vais accéder au menu. Donc je ne sais pas si le jeu en fait propose un mode solo ou pas du tout. Je suppose que je vais le savoir maintenant. Après un bref écran de chargement. Nous voilà ici dans le camp de base principal. Donc c'est le menu du jeu, je suppose, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de beau? J'irai voir après, hein, le menu principal. Contrôle des missions, ça marche. L'armurerie qui va nous permettre d'augmenter nos capacités, très certainement. Je vais me mettre là pour quand même assister au briefing. C'est un jeu quand même qui a été annoncé de manière absolument désastreuse. Hein. On avait ce bon John Rico qui était détouré sur un fond vert, mais à l'arrache, un peu comme s'il était en train de se filmer chez lui avec Nvidia Broadcast. Et encore, je trouve qu'Nvidia Broadcast s'en sort mieux, où il a annoncé plus ou moins un truc en rapport avec l'AVR et Starship Trooper, en mettant un PSVR 2 sur la tête. Puis est venue l'annonce du jeu avec le rendu graphique, qui au final n'est pas si désastreux que ça, en fait. Hein, dans le casque, ça rend plutôt pas mal. C'est une DA très cartoon. Hein. J'espère quand même qu'il sera un tout petit peu plus joli sur PSVR 2. Et un jeu, bah du coup, un jeu Starship Trooper en réalité virtuelle qui est vendu 18 euros. Je rappelle, un 10% de réduction dans la description de la vidéo pour celles et ceux qui veulent acheter le jeu, qui en tout cas semble relativement très très cool à jouer. Bon, je vais booster un peu la résolution, tout ça avec QGO, hein, de mon côté, mais. D'ailleurs, il est là-bas, Casper Van Dien, l'acteur qui joue John Rico. Donc voilà, ici on a l'émission. Ok. Le camp triomphe, pardon. On a donc l'émission qui sont ici. Quelque chose qui arrivera par la suite, hein, très certainement via des futures mises à jour. On a l'armurerie, on a ici quelque chose où il faut que j'aille, d'accord, ça marche. Qu'est-ce donc cette chose ici? Voilà. Alors, amélioration d'avantages disponibles. On va voir un peu ce qu'on me propose. Donc, j'ai un atout que j'ai gagné. Holster amélioré, donc ça, c'est cool. Pro du fusil à pompe, je vais plutôt améliorer le holster. Et je fais comment? Ah, je vais l'équiper. Cool. Alors, nous voilà. J'ai terminé 0 mission. J'ai éliminé 20 insectes. Pardon, bon, là, il y a mon pseudo.
Les mérites obtenus, crédit des citoyens, 3000, personnalisation du trooper, donc on peut aller ici personnaliser le trooper. Donc, il m'a été attribué de base, ce monsieur. Je ne vais pas spécialement chercher à le changer en fait, hein. Donc vous voyez, on va pouvoir ici acheter des éléments cosmétiques. Honnêtement, c'est pas ce qui m'intéressera le plus. Le psycho commandant, là ici, regardez, en fait, il y a pas mal de petites choses dans la bibliothèque d'atouts. On va quitter. Les données du trooper, donc ça c'est mon personnage. Comme on voit aujourd'hui, je suis, il s'appelle Song, il est au niveau 1. 2500 sur 2500. Et là, on voit que l'on a des dommages. 12 ici, 10 avec le pistolet, l'arme secondaire. Quitter. On va quitter le continuum, du coup. Et on va aller voir à peu près la base qui nous attend. Donc là, ici, l'armurerie. On va pouvoir, eh bien, ici, vérifier les armes principales, secondaires. Armes principales, on a amélioré l'arme principale. On est passé du coup de. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré l'arme principale. Suivante, de toute façon, je ne peux pas l'acheter. J'ai pas assez d'argent. Je peux acheter un Defender. Ouais, ok, ça roule. Bon, c'est pas. Je verrai ça plus tard. Là, on a le contrôle des missions. Et on va voir un peu quel type de mission on a. Alors, on peut rejoindre ou créer des escouades lorsque vous aurez plié leur mission qui portera votre nom. D'accord. Alors, on a multijoueur. Créer un lobby. Sélection de mission. Choisissez une mission. Campagne. Donc, on a la campagne qui est juste là. Recherche de match en cours. Ok, donc en fait, il faut impérativement jouer en ligne pour pouvoir tout simplement, et eh bien, opération Faucon du désert. On la sélectionne. Et là, on va donc, fatalement, on peut rejouer en solo. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne seront pas abonnés au PS Plus. Et on va remplir l'escouade. Donc là, si je joue en solo, j'ai quoi? J'ai 45. Nous avons perdu le contact avec l'avant-poste Sierra Yankee. Et le colonel se livre des explications. Fouiller l'avant-poste et découvrir la raison. On va lancer la mission en solo. Ok, il va falloir rentrer dans le vaisseau pour pouvoir progresser et lancer la mission. Nous y voilà. J'y suis. J'ai une place attitrée où à tous les soldats, je suis tout seul en fait. Donc c'était bien celui-ci, hein. Ah, peut-être là-bas. Ah non. C'est bien là qu'on m'a dit de rentrer. Le Skyhook. Est-ce qu'il y a un truc à faire une fois à l'intérieur? Signaler ma présence, m'asseoir. Attendez, je vais retourner vite fait au portail de mission. Solo, ok. Tous les soldats. Ah, ok, d'accord, c'est parce que j'ai fait retour, donc j'ai annulé la campagne. Ça marche. Donc là, forcément, le vaisseau va s'envoler, aller sur l'endroit. Requis pour effectuer cette mission. Nous avons perdu le contrôle. Donc là, on a un rappel des objectifs avec l'opération Faucon du désert. Donc on a bien évidemment une campagne, donc avec effectivement des objectifs. Je pensais que c'était juste du matchmaking de mon côté. Donc ici, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On a les armes principales. Là, ici, on a l'accès au continuum qui nous permettra d'upgrader notre personnage. J'ai une arme secondaire, une arme principale, et on progresse et on fait la chasse aux arachnides. Bah écoutez, j'ai quelque chose à faire ici. Mise à jour de la mission, examiner l'avant-poste. Ah, je suis obligé de refaire tout ça, c'est dommage. C'est con parce que je viens de le faire en fait de l'autre côté. Non, c'est bon, je peux avancer maintenant? Ou pas? Ouais, je peux progresser. En tout cas, honnêtement, avec toute la transparence que j'ai pour vous. Quand le jeu a été annoncé et que j'ai vu les premiers effets visuels, je me suis dit, c'est bon, la 64, elle est de retour, machin, ça va être un désastre. Et en fait, le jeu est très cool à jouer. Comme quoi, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Parce que là, clairement, le jeu, en tout cas, est fun à jouer. Je veux dire, la petite mission que j'ai faite avant, elle est vraiment sympa. Techniquement, c'est pas aussi dégueulasse que je l'imaginais. C'est un côté très cartoon complètement assumé. Le gameplay tient la route. Il y a une campagne. Il y a pas mal de petites choses a priori à faire et à débloquer. En tout cas, voilà, c'est une belle petite surprise, ça coûte moins de 20 euros. Donc voilà, c'était Starship Trooper Continuum. Je vous rappelle, il y a un lien qui vous permet de bénéficier de moins 10% pour le jeu directement dans la description, évidemment, hein. Je vous invite bien évidemment aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker le contenu, tout le bordel, mais ça vous connaissez. Et puis ben voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne surprise. On va continuer de jouer à ce jeu, progresser tranquillement dans l'histoire. Et puis, bien évidemment, bah, y prendre du plaisir parce que honnêtement, le jeu a l'air très très cool. Voilà, j'espère que ce contenu vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce jeu. J'espère que,
Vous portez bien, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.